Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle vidéo. Comme toujours, on est en live le dimanche à 16h pour l'enregistrement de l'émission et puis cette version sera coupée pour vous la mettre le mercredi dans une version un peu plus courte. Aujourd'hui, je vous présente la marque de montres Beignard. Voilà, en fait, c'est des montres, alors il y en avait que j'avais déjà reçues, d'autres que j'ai reçues entre temps. Voilà, donc c'est trois montres de la marque Beignard. On verra un petit peu ce que vaut la marque. Qu'est-ce qu'on peut avoir cette gamme entre 30 et 60 euros. Et puis voilà, ça permettra un peu d'avoir votre idée et après, la semaine prochaine, on attaquera le prêt-à-porter. J'ai plein de marques de fringues chinoises sur Official Store AliExpress. On les regardera, on les testera, on les déballera et tout. Et je vous donnerai un petit peu mon avis à chaque fois. Allez, parce que voir en photo, c'est bien, mais en vidéo, c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tout notre SciTech ou smartphone. Bon, en l'occurrence, c'est ou montre ou prêt-à-porter, là, plutôt pour GLG Vidéo. Bon, allez, on continue. Allez, comme à chaque émission, on verra pour les prochaines, on remercie le partenaire de l'émission, c'est évidemment la marque Césure, avec cette caméra, la Césure Fancy Pro, en fait. C'est une caméra qui permet de scanner des livres, ok, mais qui permet de scanner éventuellement des documents, qui permet éventuellement de filmer les montres, comme on verra ça tout à l'heure, mais qui permet, en fait, de s'orienter et de se filmer soi-même pour faire des vlogs, pour faire des tutos, pour faire des vidéos, tout ça en 4K. La vidéo, je l'ai mis sur GLG Review, vous trouverez directement dans la description. Le produit, il est extrêmement sympa, et vous verrez qu'il fonctionne plutôt bien, puisque c'est celui que j'utilise. Donc on les remercie d'avoir supporté cette vidéo. Allez, aujourd'hui, on parle de la marque Beignard. Sur, évidemment, je ne prends que les official stores, hein, les marques underground de copie et tout, on va pas faire, pas tout de suite. On verra pour la suite. Donc, la marque Beignard nous propose des montres de... Alors, l'intérêt de cette marque, c'est qu'il y a de tout. On commence des montres à quartz à 30 balles, jusqu'à des montres automatiques beaucoup plus sympathiques, comme celle-là qui ressemble fortement à la Rolex. Bon, sur la page, on reprend... Il y a des jolis chronos, encore une fois, à quartz, pas mal. Si on prend, par exemple, dans leur meilleure vente, qu'est-ce qu'ils nous proposent? Bon, allez, dans la meilleure vente, on trouve des montres à 20, 30 balles. Oh, celle-là, hein, qui ressemble forcément à la... Je veux dire, à la Pagani. Non, à la Rolex Daytona, la Rolex Submarine. Bon, il y a beaucoup de copies, enfin, d'inspiration et de montres hommages et tout. Voilà. Bon, il y a des montres plutôt sympas, encore une fois. Et après, meilleure vente à temps promo. Il y a les montres mécaniques et les montres de 2021. On va aller un petit peu dans les promos. Allez, quand on va dans les promos, oh, j'aime beaucoup celle-là en mode rectangle très sympathique. Je regarde. Celle-là, elle est assez simple. Ça me rappelle un peu les E&W qu'on avait reçus aussi, que j'ai toujours d'ailleurs, qu'on pourrait refaire. Si vous aimez vraiment trop les montres et moins le prêt-à-porter, on pourrait refaire avec des montres que j'ai déjà reçues et sur en vidéo. Ça permettrait de dire, oh, je teste la marque E&W. Il m'en reste pas mal de montres derrière, parce que je crois qu'il n'arrive pas à les refourguer, personne n'en veut. Que moi que ça intéresse, c'est tout. Oui, vous étiez nombreux à m'avoir dit en commentaire ou MP que ça serait bien que je fasse gagner les produits. C'est une excellente idée, mais le problème c'est que j'habite en Asie et que pour envoyer un produit à 30 balles, ça va me coûter quasiment 30 balles. À peu près, plus les taxes, plus les machins, donc c'est assez compliqué. Si vous habitiez en Asie, ça serait beaucoup plus facile, mais malheureusement, les envoyer vers la France, c'est un peu la misère. Donc j'aurais vraiment aimé vous les faire gagner, mais pour l'instant, je ne peux pas. On verra après avec les marques si elles veulent nous envoyer des produits et qu'elles veulent vous en faire gagner. Ça sera un autre dossier. Allez, on commence par notre première candidate ici, une montre Beignard. Donc on reprend, on a un joli petit chiffon pour nettoyer et tout. Ça fait plaisir. Une carte de garantie, encore une fois, qui n'a aucune valeur, encore une fois. Une carte de garantie n'a d'intérêt que s'il y a la date d'achat, déjà, et le tampon du vendeur qui dit il l'a acheté à cette date, début de la garantie. C'est joli, hein, pour sauver la planète et tout, mais bon, ça ne sert à rien. Là, on retrouve un petit manuel d'utilisation, encore une fois, qui vous expliquera. Alors, je pense que toutes les marques font pareil, hein. Il y a toutes leurs montres, en fait, généralement, ouais, sur un petit mode d'emploi, et à la fin, encore une fois, une deuxième couche, vous avez encore un bon de garantie, voilà, qui est le même que l'autre, sans tampon, sans rien, autant dire que c'est de la merde. Bon, allez, on déballe un peu la montre, ici, j'adore le bruit. Allez, on prend la première montre, alors je crois qu'elle se regarde comme ça, elle est plutôt jolie, encore une fois, une petite montre à quartz. Vous voyez l'intérêt de cette caméra Fancy Pro, vue de dessus, comme ça, nickel, vous avez vu. Et elle fait bien l'autofocus en plus, hein. Elle est trop proche non plus, il n'y a pas la macro. Voilà, allez, on se met ici. Bon, petite montre à quartz, j'allais dire automatique. Petite montre à quartz, encore une fois, avec un chrono. Alors, le problème, c'est que ça fait partie d'un premier arrivage que j'ai reçu de la marque et il n'y a plus de piles depuis un bon petit moment. Enfin, faire un an et demi que je les ai. Voilà. Bon, il y a toujours le truc de chrono. La montre, elle est quand même plutôt chargée, hein, au niveau des aiguilles et tout. Moi, personnellement, je la trouve plutôt jolie. Le bracelet, c'est joli que les points sont comme ça. Le bracelet, il est super épais, hein. Pas d'une, voilà, il n'est pas d'une cuirasse incroyable.
jetable, hein, voilà, ce cuir de plastique. Mais ça a l'air de faire la blague. Au niveau de la boucle... C'est pas ce que vous entendez. Oh oui. Voilà, bon, c'est pas grave. C'est le cuir qui travaille. Bon, c'est... elle est plutôt bien finie. Après, je pense pas que ce soit du cuir sur pour ce prix-là. Bon, elle a rien. À l'arrière, rien. Un petit capot... Un fond de boîtier qui, à mon avis, qui est clipsé. Voilà, les deux boutons et tout. Bon, la montre, elle est quand même plutôt classique. Et surtout, elle est quand même plutôt pas chère. Allez, si on prend sur leur site, 28,78€. Je trouve que le prix est vraiment raisonnable par rapport à ce petit type de montre, voilà, comme ça, donc là, en bleu ou en noir. C'est pas mal en noir aussi, hein. Voilà. Donc, on retrouve bien les aiguilles, aiguilles de seconde ici. Après, bon, on a un petit chrono. Bon, la montre, elle est pas très chargée, mais elle est quand même plutôt jolie. Moi, personnellement, j'aime bien. Après, qu'est-ce qu'on a de particulier? Rien. Le diamètre. Ici, on reprend un exceptionnel. La montre, nanana, 240. Et après, rien du tout. Il n'y a pas beaucoup d'informations, hein, chez Benia. Mais ça fait une montre à 28,78€. Moi, je la trouve pas très chère. Vous me direz en commentaire ce que vous pensez de cette montre. Moi, je la trouve plutôt travaillée, avec tous ces petits compteurs, elle fait plutôt habillée. Après, encore une fois, le chrono, c'est plus pour habiller la montre qu'un côté fonctionnel. Mais elle a son petit côté, fait son petit côté avion, là, avec cette petite barre blanche et tout ici. Les aiguilles blanches sur un fond bleu et tout. Elle est super lisible, ce qui est des fois pas le cas de toutes les montres. Mais moi, je la trouve plutôt sympathique. Vous me direz ça en commentaire. Allez, c'est parti pour notre deuxième montre. Salut. Bonjour. Bonjour à ceux qui viennent sur la table. Bonjour à Mikado. Oh, un peu à la bourre, hein. Allez, on attaque notre deuxième montre, comme toujours, même paquet, même carte de garantie qui sert à rien puisqu'il n'y a pas de date. Même livret de garantie. C'est le même que l'autre, hein. Vous avez vu, on n'avait pas de différence, toujours pas de tampon ni de garantie, c'est rien. Le même petit chiffon, ok, vu que c'est la même marque, il se casse pas les pieds ici, et on découvre un peu notre montre. C'est le mode ASMR de la vidéo. C'est comme si je les découvrais. En fait, je les ai pas vraiment ouvertes avant, je les ai vus dans la boîte et tout, mais je les ai pas regardés en détail comme ça pour garder un peu le suspect. Bon, cette montre, elle est, comme ils disent, alors ils disent le cadran, c'est Odinky, pourquoi pas. Je la trouve plutôt jolie, celle-là, elle fait un peu, vous me direz si vous êtes un peu d'accord avec moi, elle me fait un peu effet Marine, pas Marine Le Pen, l'autre, Marine les bateaux, voilà. Heure, 1000 secondes, on a bien un petit guichet de date et tout, encore une fois, elle a bien le chrono, mais elle a bien surtout plus de piles, comme toutes les montres que j'ai. Elle est plutôt jolie. Au niveau du bracelet, on est... presque, non, on est un peu moins bien que l'autre, un peu moins épais, bon, en cuir de bouteille de plastique, hein, je pense pas que ce soit du vrai cuir, mais enfin bon, pourquoi pas. La boucle, ici, elle queen un peu comme l'autre. Oh, j'aime bien quand elle queen. À l'arrière, fond de boîtier classique, encore une fois, vous voyez, celui-là, il se dévisse. Donc on doit avoir une meilleure étanchéité, vous voyez, il y a les petites clips ici, donc il va falloir la dévisser, donc on aura une meilleure étanchéité que sur l'autre modèle. Normal, elle est un peu plus chère aussi, hein. ça paraît évident. Les boutons ici, moi je trouve que la montre, elle est quand même plutôt jolie, hein. Elle fait très travailler. Après, c'est peut-être pas ma couleur préférée, en bleu et or comme ça, elle plaira peut-être pas à tout le monde. Mais moi, je la trouve plutôt sympathique. Encore une fois, vous me direz ça dans les commentaires. Allez, si on regarde un petit peu sur leur site, le prix de cette montre est à 35,99€. Je la trouve pas excessivement chère, hein, 35 balles. Elle est plutôt jolie. Alors là, ouais, elle est zoomée à fond. Elle était pas la mienne. C'est toujours leur faute. Ils font toujours des belles photos. Oh, Marcy, hein, ça se tient. Hein, elle ressemble à elle-même. sur la photo ici, donc le mouvement, donc un gros mouvement à quartz pas cher. Alors elle est disponible, ah ouais, en noir et argent, d'accord, en bleu et argent ou en or et argent. D'accord, ok, vous me direz laquelle que vous préférez. Moi, je serais plus à la noire et sympa, mais un peu trop sobre, donc je prendrais la bleue, voilà, pour mon petit côté schtroumpf friendly. Elle est plutôt sympathique, elle est quand même plutôt propre. Bon, encore une fois, vous avez vu, heures, minutes, secondes, un petit guichet de date et tout, voilà, là, d'ailleurs, les secondes qui tournent et c'est pour le chrono et tout, elle est bien, elle est plutôt sympa, elle est propre, encore une fois, bon, c'est pas une montre incroyable, hein, mais mouvement à quartz pas cher et tout dedans, mais, bon, elle est pas chère, elle fait 35,99€, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Tchou, allez, donc là, on attaque notre troisième montre, et première chose qu'on a pu voir, c'est qu'en fait, elle est dans un boîtier Pagani Design. Pourquoi? Parce que c'est le même groupe, c'est la même usine qui fait les deux montres, et le vendeur qui nous avait envoyé des Pagani avant, nous avait envoyé celle-là aussi dedans, mais c'est bien une baignard, voilà. Même si tous les papiers, c'est du Pagani et tout, la montre dedans, c'est bien une baignard, donc voilà. Après, vous savez que ça, vous saurez que c'est le même usine, groupe, on sait pas trop en Chine. Hein. Mais bon, voilà, après, c'est, le mec vend les deux et ça part du même endroit, ils ont les mêmes boîtes. Enfin bon, t'auras compris un peu le délire. On attaque notre troisième montre, qui est donc du coup notre montre le plus cher, 70 balles. Hein, j'ai mis entre 30 et 70. Là, on est sur une montre automatique, encore une fois. Donc on voit bien, vous voyez,
On a un mouvement automatique derrière. Donc là, c'est soit un NH35, soit un... Je ne me rappelle plus c'est lequel des deux, mais on va regarder ça sur Internet. Allez, voilà, j'ai bien rechargé pendant que vous n'avez pas vu. Vous n'avez pas vu. Voilà, ça a été coupé au montage. Ceux qui étaient en live auront vu comment je me suis bien excité là-dessus. Alors, c'est un mouvement Sigul. Sigul, je vous rappelle, c'est une grosse marque de mouvement en Chine. Et ils font des mouvements pas chers, notamment des petits mouvements automatiques comme ça. Alors là, bon, forcément, vous aurez reconnu, c'est inspiré du nouveau Rolex. Si vous connaissez la référence, vous mettrez ça en commentaire. La montre est quand même plutôt jolie, encore une fois. À l'arrière, on retrouve bien un mouvement automatique. Ils l'ont quand même noté baignard et tout. Ou Sigul, fais voir. J'arrive pas à voir. Attends. Faut que je regarde si c'est marqué Sigul ou Baignard. Baignard. je voulais être sûr. C'est bien le côté Baignard, hein, vous voyez, sur le balancier, là. Donc, petit auto automatique pas mal. Vous voyez, le fond de boîtier est transparent. Très, très classe, hein. Elle est très, très jolie, avec son petit bracelet en métal. Super bien fini. Ici, vous voyez, on ferme là. OK. Là, il y a deux petits boutons pour l'ouvrir et tout. Donc, ça fait très, très classe, hein, encore une fois. Le design, bon, et même s'il est inspiré, encore une fois, d'une Rolex... Bon, après, il n'y a pas marqué Rolex dessus. Après, de loin, il y a une Rolex, tu as dessus, tu as marqué Baignard, il n'y a pas de logo et tout. Donc, c'est pas une contrefaçon. Et là, on ne peut pas dire que ça prête à confusion. Il n'y a rien qui remet en cause le fait qu'elle puisse ressembler à une Rolex plus qu'une autre. Mais je pense qu'elle est fortement inspirée d'une. Et vous dire ça. Elle est un peu petite. Hein, moi qui aime bien les grosses montres, je la trouve un peu petite. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. On regarde sur la fiche. Je la trouve très jolie. Heure, minute, seconde. Encore une fois, un petit guichet de date à droite. Ici, on tire la... je crois que c'est la couronne, ça s'appelle ça. Voilà, on peut changer les dates. OK, donc ça fonctionne. Ici, on peut changer les heures, les minutes et les secondes et tout. Très, très jolie montre. Hein. Personnellement, je pense des trois, vu que c'est quand même un petit peu la plus quali et qu'elle est automatique, qu'elle n'a pas besoin de pile, celle-là, au moins, c'est ma préférée. Allez, si on prend sur le site, elle est à 71,96€, mais il y a un coupon vendeur de 4€, donc voilà, 4,94€, presque 5€. Eh, ça fait du 67€ TTC, encore une fois, hein, les prix sont TTC. J'ai bien mis livraison vers la France en haut. Donc, elle est disponible en... orange, pour vous puissiez faire la blague orange ou choche. Elle est disponible en vert, pas mal, en mode un peu Hulk. En noir, comme nous, on a intéressé, je préfère la noire quand même. En jaune, je suis pas fan, mais ça lui donne un petit genre. Et en bleu... Bon, si on prend le descriptif, montre décontactée, un mouvement Sigul ST6, ça c'est la bonne nouvelle, quand on a des montres automatiques comme ça, avec des mouvements connus, bah, vous pouvez les faire déjà entretenir, parce qu'encore une fois, une montre automatique, ça t'entretient tous les 2, voire 5 ans, voilà, vous pouvez la faire entretenir, et vous pouvez la faire réparer, bien évidemment, soit racheter un mécanisme complet, si jamais vous voulez pas vous emmerder et le remplacer, soit s'il y a une place, un bon horloger sera capable de la réparer et de vous la remplacer, si c'est un cadeau incroyable. C'est les montres à 70 balles, donc on est d'accord qu'il faut faire attention à combien ça va coûter. Mais moi, je sais qu'en Asie, ça coûte pas très cher de les faire réparer. Et on peut avoir des choses sympas. Le boîtier en alliage inoxydable et tout, la montre, elle est plutôt jolie. Hein. Encore une fois, elle fait très quali. Le boîtier, alors c'est un 39 mm, c'est pour ça. Moi, je suis plutôt 41, juste comme ça. J'aime bien les grosses montres, moi. J'ai besoin de compenser ma petite vue et par des grosses montres. Le mouvement ST6, un bracelet 20 mm et tout. Je la trouve très très classe, encore une fois, très inspirée de Rolex, mais elle fait classe, elle a un mouvement automatique Sigul et elle vaut que 70 balles. Donc moi, j'ai envie de dire validée. Allez, si on résume un petit peu nos montres Baignard. Quel nom, encore une fois. Bon, la première qui est là, une petite montre à 28,78€. Et regardez, ah, il y a un coupon à 5 balles aussi. Ah, il y a un coupon à 5 balles sur les trois montres. Oh, donc ça fait 23€. Voilà, c'est le prix de rien. 23€, livraison gratuite, voilà, de la Chine vers la France. Ça fait un produit qui est plutôt sympathique. Encore une fois, c'est pas la plus sophistiquée des montres, mais elle est relativement habillée et chargée. Voilà, pourquoi pas. La deuxième montre fait 35,99€. Pareil, hein, tu enlèves le coupon de 5€, donc ça fait du 30,99€. Free shipping et tout. J'aime bien son petit côté marine. Marine. Ah oui, il y avait une chanson de Diam, ça, avec ses marines. J'aime bien son petit côté marine. en bleu. J'aurais préféré peut-être, au lieu de mettre le contour en or, j'aurais peut-être préféré en argent. Vous me direz dans les commentaires celle que vous préférez. Et enfin, notre troisième candidate, c'était bien évidemment la montre automatique. Alors, elle n'a pas de petit nom, j'ai pas vu marqué sur le site. Celle-là, elle fait 71,96€, moins 5€. Elle fait moins de 70 balles. TTC, encore une fois, soit on part sur la montre à 30 balles, vous voyez, 30, 40 et 70 balles. On en a un petit peu. Bon, forcément, préféré, si vous voulez un truc plus quali, j'aurais plus tendance à m'orienter sur la montre automatique
qui a un mouvement cigule et tout dedans. Elle est quand même bien finie, elle est quali et tout. Elle fait très habillée. Les autres font plus gadget, mais encore une fois, c'est des montres à quartz. Il suffit de changer la pile et c'est reparti. Il y a moins d'entretien. Et voilà, ça permet d'avoir une montre un peu plus sophistiquée, un peu plus habillée, comme ça, au moins au niveau des compteurs, pour 30 ou 40 balles. Voilà. Dites-moi en commentaire la montre que vous préférez sur les trois. Plutôt la bleue, plutôt marine, ou plutôt la Rolex. Voilà. Vous me direz en commentaire la montre que vous préférez. Je lis tous les... Parce que mettre des commentaires, c'est bon pour le référencement. Je lirai tous les commentaires. Évidemment, je vous mettrai un petit cœur d'amour et je répondrai à tous les commentaires, au moins pour dire merci, pour m'aider à supporter un peu cette vidéo. Et comme tous les pouces sont permis, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas si t'as aimé ou pas aimé la vidéo. À savoir que là, on a fait l'enregistrement dimanche. Normalement, le prochain enregistrement, c'était dimanche. Mais le problème, c'est que j'ai déjà 5 prêt-à-porter à vous tester. Donc, je risque de faire un enregistrement mercredi. Donc pour ceux qui veulent me rejoindre sur Twitch, mercredi, alors la vidéo tombera mercredi sur GL Vidéo, on se retrouvera mercredi sur Twitch à 16h pour l'enregistrement des marques prêtes à porter et on risque d'en faire deux dans la soirée, c'est-à-dire qu'on ferait un enregistrement, on déballerait nana, on arrêterait et après on ferait un autre enregistrement, pour vous le live sera complet mais on fera les deux, permettra de prendre un peu d'avance et ensuite on en fera encore deux le dimanche suivant et après il en restera que un en stock mais qu'il y en a encore deux qui arrivent, permettra d'enquiller peut-être pour mercredi prochain et de vous en mettre peut-être deux par semaine, un le mercredi et un le samedi. Voilà, vous me direz ça en commentaire, ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, je vous remercie de passer me voir, ça fait plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral. Abonnez-vous à GLG Vidéo, mettez-moi un commentaire si vous avez des marques que je vous sur internet. Ah, il y a cette marque-là qui a l'air bien et tout. J'irai voir et on verra ce qu'on peut faire avec toutes ces marques. Je vous dis là, c'était les montres, on a du prêt-à-porter. J'ai encore pas mal de montres en stock et j'ai encore pas mal d'idées. Et il y a de la bouffe qui arrive sur WTSBA GLG, mais ça, je veux tout vous expliquer dans le live. Ça, vous pourrez regarder le replay du live sur Twitch. Et bonne journée, bye bye.